Voilà, en ce dimanche 29 septembre, je vais m'asseoir ici, je vous dirai pourquoi. J'espérais m'asseoir ailleurs, mais pas encore, parce que je suis avec ça aujourd'hui. Depuis le mois d'avril, je ne l'ai pas utilisé. Ça fait 5 mois, ça fait 150 jours, si je compte bien. Voilà. Et j'espérais pouvoir aller m'asseoir sur la table. Il y a un pique-nique là-bas, la table de pique-nique, m'approcher là-bas, mais et ben, quand on n'a qu'une jambe qui fonctionne et l'autre pas trop, ça fait trop loin. Alors je me suis dit, je vais m'asseoir là, parce que je voulais vous dire une bonne nouvelle. Je voulais vous la partager quand même. C'est pas une résurrection, mais on va appeler ça une renaissance. Aux saveurs de la liberté, goût de liberté, d'autonomie, même si elle n'est pas encore totale, entière, complète, mais... Ah, qu'est-ce que c'est bon, tout le long du chemin, j'ai dû faire 2 km là en vélo. Je m'étais dit, est-ce que je vais déjà arriver à passer ma jambe pour aller rejoindre la pédale et puis garder l'équilibre et en route. Bon, ça n'a pas posé de problème, malgré... que le kiné me recommandait pas tout de suite. Vélo d'appartement, j'ai dit, mais moi j'en ai assez, j'ai envie d'aller pédaler mais dehors. Et je me suis dit, dimanche, pas trop de monde nulle part, moins de stress, je vais essayer. Et alors, tout le long du chemin, je me disais, oh que c'est bon, oh merci, merci, oh que ça me fait du bien. Comme je suis contente, gratitude. Et je vais vous lire du coup un petit texte que je lis chaque matin, mais encore plus. Aujourd'hui, je vais le redire, d'Irène Grosjean. J'arrive parce que j'ai mon antisèche, je ne connais pas encore par cœur. Alors, hop, je ne sais pas, j'y vois rien du tout. Je vais me mettre vers mon Adidas. Je vais faire un petit peu d'ombre. Alors, j'avais dit que j'aurais révisé la jolie chanson, les jolies paroles de notre Barbara Pravi qui a été seconde à l'Eurovision en 2021. J'ai pas suivi tout ça, mais c'est un peu maintenant que ça arrive dans mes petits tuyaux. Et j'aurais chanté « Voilà, voilà qui je suis ». Et j'aurais fini à la fin par un bravo. Mais comme pour l'instant, je n'ai pas révisé ni la chanson, ni les paroles, et j'en suis encore pas à m'applaudir, à tout rompre, ben voilà. Je vous sème les graines de Barbara Pravi, P-R-A-V-I. Oh là là, authentique, vivante, magnifique, vraiment spontanée, j'adore, j'ai l'impression de me retrouver. Et j'aurais aimé être comme elle à son âge, sauf que ça m'a pris davantage de temps pour me libérer. Mais elle n'a pas été par quatre chemins, et j'adore. Il y a de plus en plus de jeunes femmes, en tout cas, des jeunes femmes que je vois, que je rencontre. Les hommes ont l'air de suivre le mouvement, j'en ai aperçu un ce matin. Et ben, ça y est, on a compris qui on était, et que nous sommes tous des êtres divins. Plein d'amour dans le cœur, et que bon, on a le droit de ne plus se cacher derrière autre chose pour faire plaisir à qui que ce soit. Voilà, osons la vérité. Alors, je vais retrouver mon papier tout de suite. Voilà, pour faire plus joli, je me suis approchée de là et de... Non, c'est pas des sapins, non, mais pas des sapins, c'est des bambous, oui, parce que c'est là où il y a des petits écureuils qui surgissent, de jolis marrons, qui viennent manger des noix qu'il y a là-bas, au pied de cet arbre, sur la gauche, là, on voit bien le tronc distinct. On a été visiter avec ma copine la dernière fois, on a compris. Et il a sa ration et son petit placard tout près. Voilà, alors, quand t'as dit bonjour aujourd'hui, notre chère Irène Grosjean. Ça a été repris par beaucoup de personnes, hein, parce qu'elle est décédée il y a quelques mois d'un accident de voiture, semble-t-il. Bon, je ne sais pas si on n'a pas abîmé sa voiture pour que ça le fasse, mais il semblerait un petit peu. Alors, voilà ce qu'elle dit. Étant donné que tout ce que nous pensons, tout ce que nous croyons, tout ce que nous craignons, nous le créons. Il est important, très important, de programmer chaque matin ce que nous souhaitons, plutôt que ce que nous craignons. Alors, si vous êtes d'accord, même si on n'est pas au réveil, dès votre réveil, eh ben voilà, vous pouvez programmer ce que vous souhaitez et vous verrez que cela marche. Ah oui, c'est vrai, je confirme. Donc, elle commence par « Bonjour aujourd'hui, ce jour tout neuf que j'accueille comme un cadeau et que je vais vivre au présent. Parce qu'hier, je n'y peux plus rien.
Et puis aujourd'hui, c'est le berceau de demain. Beau jour aujourd'hui, qui est le premier jour des plus beaux jours qui m'attendent. Parce que chaque jour, je vais de mieux en mieux sur tous les plans. Voilà, je confirme. Je parle aussi en son nom avec ces mots-là, c'est vraiment ça. Avec beaucoup de courage, de confiance et j'allais dire de force et confiance, de courage, que je voulais dire encore, et de la résilience aussi, parce que quand ça veut pas, ça veut pas. Elle continue en disant aussi merci à la vie de me guider, de m'inspirer à travers toutes mes pensées, mes paroles, mes actes, pour faire au mieux ce que j'ai à faire pour mon plus grand bien et celui de tous. On continue dans les remerciements. Elle dit « Merci la vie de m'apporter tout ce qu'il me faut, où il faut, quand il faut et comme il faut. » Et elle ajoute « Et ça marche, mais vous ne pouvez pas imaginer. » C'est absolument merveilleux. J'ai même noté ses commentaires. Et alors elle continue « Et comme je remercie la vie pour tous les trésors qu'elle m'a donnés, eh bien je n'ai plus de temps pour me plaindre. » Et elle remercie encore. Merci d'avoir des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, un nez pour sentir et respirer, une bouche pour me régaler et dire des choses qui font du bien, un cœur pour aimer, des jambes pour marcher, des bras pour embrasser. Eh bien, on a tout ce qu'il nous faut, n'est-ce pas? Donc merci la vie de rencontrer, de vivre avec celle ou celui qui me convient et à qui je conviens le mieux, sur tous les plans. Elle ajoute pour les actifs, merci de trouver le travail ou la situation qui me convient et à qui je conviens le mieux sur tous les plans. Voilà, écoutez, avec ça, j'allais dire, je parle avec les yeux, moi. J'écoute avec le cœur et je comprends avec le temps. Voilà, et bien écoutez, je suis bien contente d'être là, debout sur mes jambes, les deux, même si pour marcher j'ai l'air d'un pingouin. Mais c'est pas important, ça s'améliore et je vais bientôt rouler comme la dame. Cool Raoul, non, cool ma poule, oui, ça va être ça. Voilà, voilà, que la vie est belle. Et en plus, quand on revient d'une situation difficile, je peux vous dire qu'on savoure encore plus chaque instant. Ça m'a vraiment appris ça, d'être dans l'instant présent encore plus. Nos stress, ne plus courir, ne plus se presser, il n'y a jamais d'urgence. Il n'y a que des gens pressés. Voilà, la résilience aussi, voilà. C'est comme c'est, j'accepte. Aujourd'hui, c'est ça. Et puis, si ce n'est pas comme hier ou avant-hier ou il y a un an, ben, ce sera autrement. Et tout est parfait. Merci la vie. Alors, je vous fais des gros, gros bisous d'amour à chacun. Portons-nous bien. Et vive le beau temps. Vive l'été qui dure.